Vous allez voir, la maison a fait un peu peur. Hein. Sûrement pas autant que le clown de la dernière fois. Ouais, c'est pas mal ici. Ça passe. Oh, j'adore la déco. C'est un Banksy ? Lâche-moi. En tout cas, on sera beaucoup trop. Oh, les gars, on va trouver la cuisine. Il y a des cookies. Ça va pas empêcher de venir à Halloween. On était beaucoup aussi. Le clown. Non mais, on va dormir ici, c'est bien ici, non Et en plus, on n'a pas la wifi. Génial. C'est pas grave, ça. Ah, les gars, regardez, j'ai trouvé la cuisine. Il y a des cookies. Waouh. Du whisky. Des cookies. Chez moi en Bretagne. Même temps, c'est pas compliqué. Hein. Mais y a pas de réseau ici. En même temps, si t'as un enfant de gagner, c'est normal. Hein. La merde. Pas forcément, mais. Non, non, je suis zéro bar. La poisson. Tu n'as aucun problème. Allez, les jeunes, il n'y a pas de technologie dans la vie. On peut faire un jeu de société. À l'ancienne. Génial. Ah. Mais quoi? On a vraiment la poisse. Sérieusement, ça commence toujours comme ça, les films d'horreur. Putain, c'était censé être une convention tranquille. Pourquoi ça tombe encore sur moi? Comme je t'ai dit, j'aime pas cet endroit. Mais pourquoi on est là alors? Sérieusement. Patricia, je suis là. Qu'est-ce que vous faites là tous? Ah non! Attention Sabrina, il y a des trucs fragiles. Oh, c'est pas toi Sabrina ici, n'est-ce pas? C'était ta putain oublié de fermer la porte. C'est ta marinette? Ah, c'est cool, Chloé, tout ça là. Plus on est, mieux c'est, hein. Évidemment que je suis là, Drichou. Il faut bien que ta meilleure amie d'enfance soit là en cas de soucis. Et oh, moi aussi, j'ai des dédicaces à faire. Vous savez, j'ai des fans ici. Ouais, on les a croisées tout à l'heure. Elles sont noires et blanches et goûtent de l'herbe.
J'entends pas les rageux. Moi aussi, je suis là. Eh, hey, Paris Hilton et Nicole Richie, vous auriez pas ramené des cartes par hasard? Histoire que vous serviez à quelque chose. Vous me prenez vraiment pour la flemme. Des cartes? Pourquoi pas des Mikado pendant qu'on y est? On a plus 5 ans? Mais alors? C'est la rousse, Marinette? Ouais, je vous laisse les gens. Je vais voir ma bouteille. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Et si on invoquait les esprits? Je comprends pas pourquoi on se met dans cette salle. Arrête, sérieusement, t'as vu les peintures au plafond? C'est joli, comme... Ah, c'est la pub. La séance va commencer. C'est l'air ça de qui cette fois? La séance va commencer. Mais non, t'inquiète. Prenez place. Vos mains. Tenez-vous les mains. Plus vite. Plus vite. Les règles du jeu sont simples. Ne jamais jouer seul, toujours avoir une source de lumière, et ne pas oublier au grand jamais de dire au revoir à l'esprit. C'est bien clair? Bien. Pour les puceaux, je vous souhaite bonne nuit, hein. Salut. Oh la chance. Esprit, es-tu là? Nous t'invoquons en paix. Il a rien bougé ses têtes! Mais non, c'est toi qui l'as soufflé. Reprenons, on se concentre. Bien, on reprend. Esprit, tu viens. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas un jeu de société, ça! Ouais, c'est une barrière de puceau. Bon, il n'y a pas de moindre petits esprits ici, donc maintenant vous prenez vos affaires, vous allez tous au lit. Lucas, tu vas avec Adrien. Julika, tu vas avec Sacha. S'il vous plaît, surveille-moi la petite. Elle est capable d'invoquer les esprits toute la nuit. Une horreur à nettoyer. Quoi? Et toi, t'as pas intérêt à faire de conneries, ok? Sérieux? Et moi, je dors où? Moi, je dors tout seul, hein. Bah, dans la seule chambre qui reste. C'est-à-dire... Tu vas voir qui est la vache. Bon, ça m'a fait plaisir de passer un peu de temps avec vous et nous saillons, mais j'ai un autre navire à bord. Bonne soirée. Elle s'en va, c'est une bonne idée ça? Oui, non, t'inquiète, c'est pas grave. Pas trop ce genre d'endroit. Grande maison, ça fait super peur. Je l'aurais protégé. Moi, pas moi. C'est
C'est parce que t'es mannequin que tu mets autant de temps pour te changer? D'habitude, je mets plus de temps quand je vais à la douche. Mmh. Ok. Bah, bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? J'ai froid. Je pense que c'est surtout à cause de cette maison, les mauvaises ondes qu'elle dégage. Mais tu fais quoi? Bah, comme ça, t'auras pas froid. Et pour les esprits, ferme les yeux et tout ira bien, ok? D'accord. Tiens, elles sont toutes propres. Bah enfin. En tout cas, Julika, elle était terriblement mauvaise. C'est clair, cette loseuse là, incapable de rien faire. T'aurais aimé que ça marche. Grave. T'imagines, on aurait invoqué les esprits pour aller hanter les autres. Grave. Oh la ferme, Alix. On s'en fiche, Alix. Yeah, tu te ridiculises, Alix. Tu sais, la fatigue c'est mauvais pour le teint. Et au vu de ta tronche, t'as pas dormi depuis un bon moment. Je te trouve particulièrement hystérique, Charlotte Fraise. Sérieux. T'avais qu'à acheter des bouchons d'oreilles, Alix. On n'est pas tes mères. C'est quoi cette musique barbare? Ouais, là. Soit vous fermez vos gueules, soit c'est pas la vraie. Oh, c'est vivant que ça. Oh, c'est vivant que ça. Maintenant, vous la fermez ou c'est à fond sur l'enceinte, ok? Je te déteste. Bon, bah, je vais me coucher. Aller se coucher. Je suis crevée, moi. Bonne nuit. Ça va? Je veux de l'eau? Une tarte? Non, ça va aller. Je vais me coucher. Ok. Dis au revoir. Pourtant, je connais les règles. Et moi, j'ai envie de jouer. Je peux dire. En plus, je sens que tu as une envie de vengeance tout au fond de toi. Ah oui, je vais me venger de Chloé Bourgeois. Surtout. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a encore celle-là? J'ai envie de vengeance tout au fond de toi. Allez, on joue.
Un jour, faudrait que je me lance quand même. Je peux pas continuer comme ça. Pas comme Marinette. Ah oui. Nathaniel, je viens. Grâce avec un boutin. Petit. Le ridicule. Le misérable. Insecte que tu es. Colis à livrer, ce serait bête de pas faire ce qu'on t'a demandé. J'ai préparé à manger. Il m'avait cloué. Christine.
tu viens de manger ta pizza préférée. C'est trop cool, hein. Je suis tellement contente. T'as vu, cool. Ça augmente de plus en plus, je suis trop contente. Moi, j'ai vu tes dernières photos, elles sont sublimes. Ah, j'adore. Tu veux une madeleine? Ouais, grave. Pourquoi t'as fait des madeleines? Elles ont l'air trop bonnes. Je sais plus du tout pourquoi, pour qui j'ai fait ça. Pour montrer ça à Marinette, ma meilleure amie d'enfance. Elle va adorer. Tu sais que j'ai toujours été passionnée par la bonne, hein. J'adore que ça nous fait. Jean-Eudes, allez donc chercher ma fille. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Pourquoi vous n'êtes pas allé récupérer ma tenue chenal au pressing? Et vous en profiterez, vous préparez un thé pour ma fille chérie qui ne va pas tarder. Mais maman, c'est moi ta fille. Noël, ma fille, pour rigoler, jamais ma fille porterait des tenues comme ça. C'est vrai que... Oh, ma fille chérie, la voilà. Tellement ridicule. Regardez, mère, je fais des madeleines. Oh, après 13 ans, tu es vraiment la fille la plus extraordinaire. Je t'emmène à New York. Maman! Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous êtes virée! Virée! Non! Viens. Viens jouer avec moi. Rien. Tu ne sors pas. Obéis à ton père. Oups. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi qui suis venu te chercher. Oh. T'emprisonner. Te cloîtrer. À jamais, seul. Lucas, il y a mon père. Quoi? Je te jure, il y a mon père qui est là. Mais non, il y a personne. Dans mais si. Moi, j'y vais tout seul. De quoi? Non, attends, attends, attends. Attends, je vais pas te laisser y aller tout seul. D'accord, faisons comme ça. Lucas. Tu cherches l'accord parfait. Bah alors, tu crois que je vais te tomber dans les bras? Tu rêves. Je vaux beaucoup plus que trois pauvres notes. Je ne t'aime pas. Et je ne t'aimerai jamais. Avec ton look de punk.
Avec tes fringues trouées, tu ferais mieux de prendre exemple sur Adrien. Même si tu ne lui arriveras jamais à la cheville. Ouais, ça va, t'inquiète pas. Tu es sorti sans permission. Tu me déçois, mon garçon. Tu m'as toujours déçu. Tu connais toujours pas tes cours de piano. Et t'as est toujours obligé de te garder. Non, disparaissez. Père, laissez-moi tranquille. Tu es une déception, ma famille. Adrien ? Mais qu'est-ce que tu fais là, Lucas ? T'es trop stressé pour comprendre que c'est Adrien, il n'a qu'à pas. Je déteste Alix. Je déteste Alix. Il est temps de rentrer à la maison. La partie est finie. Oh bah moi, rien du tout. Je dors une nuit trop bizarre. Mais tu vas pas arrêter de chouiner, toi ? Elle est toujours comme ça, ouais, bah, c'est vraiment pas envie d'en avoir une. On peut pas l'abandonner dans un cimetière, là, au bord de la route. Quand même. Je sais pas trop, à vrai dire. De toute façon, je l'avais dit dès le début que c'était pas une bonne idée. T'as dû me dire bouchie de faire du sport. Mais toi, il est nulle part, j'avais un colis. Allez, les petits, c'est trop flou dans ma tête, je me souviens. Julika, dépêche-toi, on va rater le bus. J'ai l'impression d'avoir fait une rêve. À une exposition dans un endroit perdu, loin de Paris et de ses rues, une invitation.
là, regarde. On va mettre des pêcheurs, on va leur faire. D'accord. Il y a déjà Chat Noir, les autres super-héros sur Paris. Oui, enfin, tu sais, aider mes parents à la boulangerie, sauver, préparer mes créations pour les défilés, mes études, tout ça, quoi. Mais ça va être trop bien. Bon, bah, il me reste plus qu'à me trouver. Maillot de bain, digne de ce nom.